I come from Caritas Bangladesh, and my responsible in Caritas Bangladesh is as a project in charge of integrated community development project. This is for Rakhine community and poor marginalized people in southern part of Bangladesh, that is in Borishal division. Je m'appelle Promila, je viens du Bangladesh. Je travaille pour Caritas Bangladesh. Je suis responsable d'un projet qui s'appelle ICDP et qui est destiné aux minorités Rakhine qui se situent dans le sud du Bangladesh. Our role in Caritas and in Bangladesh is to make people aware of their social justice and skills and also on climate justice and environmental awarenesses. Notre rôle à Caritas Bangladesh est d'aider les gens à faire respecter leurs droits en matière de justice sociale et également à les mettre au courant des problèmes et changements climatiques qui peuvent survenir. So now I just take small bit about my country. So we are 160 million people in Bangladesh. It's located in South Asia. Maintenant, juste quelques mots sur mon pays. Le Bangladesh a une population de 160 millions d'habitants et se situe en Asie du Sud-Est, près du golfe du Bengale. So if I compare with France, then the size of Bangladesh is just one quarter of the size of France. Si je compare avec la France, la taille du Bangladesh représente à peu près un quart du territoire français. Caritas Bangladesh is Catholic Bishop Conference of Bangladesh that promotes social justice, human rights and human dignity. Caritas Bangladesh dépend de la conférence épiscopale des évêques du Bangladesh et son rôle est de promouvoir la justice, la dignité et l'égalité des populations. And we have been working there to promote rights for the poor people, marginalized people, and especially ethnic children, women, and elderly, and different able people. Notre rôle surtout est d'aider les gens les plus défavorisés. Et en ce qui concerne au Bangladesh, par exemple, les minorités ethniques. Les gens qui sont en incapacité physique, les femmes qui sont isolées, et les enfants, et d'une manière générale, tous les gens les plus pauvres. And my specific role and responsibility in one part, that is southern part, we have in Borishal, we call. So in ICDP, Integrated Community Development Project, so my specific responsible for this project. D'une manière personnelle, je suis responsable d'un projet qui se situe dans le sud du pays, dans la région de Barisal, et qui s'appelle Integrated Community Development Project, c'est-à-dire un projet de développement intégré pour les communautés de la région de Barisal. In Caritas, we have seven regional offices and one area office. That means we in Bangladesh, total area we are working. Caritas Bangladesh travaille sur l'ensemble du territoire du Bangladesh. Nous sommes implantés dans six bureaux régionaux et un bureau secondaire, donc au total de sept bureaux dans l'ensemble du pays. And the project is implementing specially in coastal belt area under Borishal Caritas Borishal division for Rakhine minority people and poor marginalized Bengali people. Donc le projet se situe dans la partie sud du pays, dans la zone côtière au sud de Barisal, est destiné à la minorité Rakhine et également aux Bengalis qui sont particulièrement défavorisés et aux Bengalis pauvres, disons. The objective of the project is strengthening social inclusion of this minority community and as well as improve their living condition and livelihood.
L'objectif de ce projet est d'aider les minorités et les Bengalis pauvres à augmenter, à développer leurs conditions de vie et améliorer leur situation, disons, dans la région où ils vivent. And for make empowerment and like sorry. The project working they are especially health, education, the land and for capacity building as well as to make awareness them. Le projet a plusieurs volets. Il y a un volet qui concerne l'éducation, un volet qui concerne les problèmes de santé et médicaux, et puis également des volets de développement sur le plan économique, comment les aider à améliorer leur situation économique. This project is funded by of course Sikor Catholic Caritas France, and already we are very close to enter this project with 2 years. Le projet est financé en grande partie par le Secours catholique Caritas France et a commencé à peu près il y a 2 ans. Through this project, we are working under 52 villages in 2 districts. That regular discussion session we do with them. And for make awareness there. Le projet recouvre 52 villages dans 2 districts et a des objectifs et de faire prendre conscience aux habitants des possibilités que l'on peut développer pour eux. And for ensuring the for enhancing their skills and awareness, we arrange like a training workshop and day observations. There is a surprise for all that, like that, the people in rural area they doesn't know what is Women's Day. So we observed, they observe now this day, and women are come out from home and they are demonstrate this. So now they can speak in front of like union chairman local from in front of local government. Un des objectifs du projet est de transmettre l'information aux habitants de ces villages, de les former et de leur faire prendre conscience de l'importance des organisations comme le jour des femmes, le jour des fermiers, de façon à ce qu'ils soient au courant et qu'ils puissent discuter ensuite avec les membres du gouvernement local. And they sit regular together like mainstream Bengali community and minority Rakhine community people. So good relationship among them as that has been built in area. Nous essayons également dans ce projet de former des communautés de villages où la minorité Rakhine a la possibilité de s'asseoir et de discuter avec les Bengalis et disons de faciliter l'harmonie entre les différentes communautés. Though it's happened, but in this area, Rakhine people are victims, like faced so many like the false case and land grabbing. So Musulman, the Bengali peoples. Are grabbing Rakhine's land and even their graveyard also. Un des problèmes de la minorité Rakhine est qu'ils sont victimes d'accaparement de terres de la part des Bengalis, c'est-à-dire que les Bengalis accaparent leurs terres et même parfois ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire la terre de leur cimetière. And even if we already surveyed that, we got in the survey that. Every and each Rakhine family in that coastal area, they have minimum 2 cases with this regarding this land with the majority Muslim and Bengali people. So me also belong from this community, Rakhine community, and we also facing like this problem. Le problème est que chaque famille Rakhine a en moyenne
deux cas de difficultés, de relations ou de cas de procès sur un problème d'accaparement de terre. Moi-même, je suis de la communauté Rakhine et ma famille a eu des problèmes, effectivement, de terres accaparées par des Bengalis. But there are a group also trying to link us with us, but you know this problem is happening like some cases already, it's been 60 years. So generation by generation, they face this case with the administration on the land purpose. Des journalistes et des membres des communautés s'occupent de ce problème depuis déjà un certain temps. La difficulté est que ce sont des litiges qui existent depuis très longtemps et certains litiges remontent à 60 ans, donc c'est d'autant plus difficile de les résoudre. Through this project, we have the legal promoters, so they discussed among the peoples, those are involved, like this type of victims, so those are suffering. We discussed them and especially making awareness them how to deal with these documents and how to update all documents. And the legal procedure of court cases. Nous avons dans le cadre de ce projet un conseiller juridique qui s'occupe, disons, des différents litiges et qui permet d'aider les familles en difficulté, de leur interpréter les documents, de leur montrer ce qu'il faut faire, d'essayer de faire avancer leur dossier au niveau d'administration. Through this project, by supported by Secret Catalyst, already we got 39 cases in favor of Rakhine community, and they got that land and they started cultivating. So it's about 4,000 decimals they got in their favor. Lors de ce projet, depuis le commencement du projet, on a réussi à résoudre d'une manière positive 39 cas en faveur des Rakhines et globalement ça représente à peu près 44 000 hectares, pas hectares, acres de terre qui ont été récupérés et qui ont pu être mis en culture par les familles Rakhines. If I brief shortly about the Rakhine community. So we Rakhine community come from Myanmar. It's about 200 years ago, we were one of the earliest and first ethnic the coastal area. Juste un petit mot sur la communauté Rakhine. La communauté Rakhine est arrivée du Myanmar, ou maintenant de Birmanie, il y a environ 200 ans, et on a été parmi les premiers émigrés à s'installer au Bangladesh. So now, we are minority. We become minority, and it's about we are now 2,500. It's about then, but 30 years ago, it's we are 15,000, more than 15,000 population in Rakhine community. But we are 2,500 now. Il y a une dizaine d'années, on était 15 000, mais maintenant la communauté s'est réduite et on pense qu'on est environ 2500 à 3000 Rakhines dans la région. Yes, and here education also the access is so vulnerable in that area because of communication also as well as the the maximum people, most of the people are earning very hardship life. So for this, the education access is very low among them. Le problème de la région, c'est que le niveau éducatif est très bas dans la mesure où les gens ont une vie difficile, ont des revenus très 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 faibles, et les écoles sont dispersées, donc d'accès qui n'est pas facile pour la population locale. In our country, more than 45 indigenous groups have been living in centuries.
And we have different, like more than 30 languages in our country with culture and identity. Un des problèmes du Bangladesh est qu'il y a environ 45 minorités ethniques qui parlent 30 langues différentes. Donc une assez grande difficulté pour, en termes de communication et pour unifier, disons, ces différentes minorités. And especially if I tell one story myself, like this, when I was studying like grade 4 or 5, class 4 or 5, we call in primary school. That time I also faced like teachers with my friends. Like they are told, oh, you are from Rakhine community, you have a different language than us, so your language is another, your dress is not like us, so you eat pork. So sometimes then I feel shy. So we Rakhine community, sometimes we feel like this type of teachers. So for this also dropout and education level is not success for these communities people. Yeah. Pour parler de mon expérience personnelle, quand j'allais à l'école primaire, je suis une Rakhine et les autres élèves pouvaient se moquer de moi, se moquer de ma manière de parler, se moquer de ma manière de m'habiller. Donc c'était difficile. Et ça explique pourquoi une bonne partie des étudiants, des élèves Rakhine abandonnent l'école et ne continuent pas leurs études très très longtemps. But now through this project, through this ICTV project, we arrange a discussion session, we call motivational discussion session in different schools. So not only with students, but also the teachers as well as education management committee for making ensure the friendly environment in schools and not teaches them and make awareness and make a friendly environment in schools. Donc un des objectifs de ce projet et d'améliorer les rapports, de faire en sorte que les étudiants Rakhine soient plus acceptés, qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc on a des actions auprès des professeurs et on essaye également au niveau de l'administration, au niveau des élèves eux-mêmes, de faire passer le message de façon à améliorer la communication et de limiter la discrimination vis-à-vis des élèves d'origine Rakhine. And through this project, we promote four Rakhine discussing centers for that we have a mother language, but in that area we don't have the schools for this community, but students go to the primary school to learn Bengali education because of our official language Bengali. So but we have a mother language, so through this project the children come to the schools, to language coaching centers, and now the mother language preservation is ensured through this project. Dans le cadre du projet, nous avons également créé quatre centres de langue Rakhine, dans la mesure où les élèves Rakhine, quand ils vont à l'école, ils apprennent le Bengali, mais c'est important qu'ils continuent à pouvoir parler et surtout à écrire la langue Rakhine. Donc on a développé ces centres de façon à ce que leur langue maternelle ne s'épuise pas et qu'ils puissent continuer à parler, à la fois à parler et à écrire la langue de leurs parents. And as well as to reduce the dropout, and we give support for secondary school certificate exam and higher secondary school certificate exam. So we gave them some scholarship, ₹1,000 for students, to make encourage and to, for better education, and not to drop out. De façon à diminuer le nombre d'élèves qui quittent l'école ou qui abandonnent, parce qu'il y en a pas mal,
Le projet donne des bourses, leur facilite l'accès au matériel scolaire, essaie de les encourager à continuer, encore une fois, de façon à ce que l'abandon de l'école soit réduit de plus en plus. And in a rural area, in our area, the close clinic we call Uputula complex is about 40 kilometers far away from the area where Rakan living. So though he or she arrived there, but sometimes they don't see the doctor and they don't know about where the medicine. The government give the facility, free medicine for poor people, but lack of information, and so poor people doesn't know where they get facilities. But now through this project, we always make awareness and we get information. So they have rights information. So get information. So now they are aware about the government safety net programs. Through this project, we train local 23 women as a village midwives. Dans le domaine médical, un des problèmes de la communauté Rakhine est que les centres médicaux sont assez éloignés, en général en moyenne 40 km par rapport aux principaux villages, et que les gens ne sont pas conscients des possibilités qu'ils ont de se faire soigner, ce que le gouvernement leur offre. Donc un des objectifs du projet a été de leur transmettre l'information sur leurs droits, sur leurs possibilités, de façon à ce qu'ils puissent se faire soigner. Et un autre aspect a été de former, on a formé une trentaine de sages-femmes issues des villages de la communauté Rakhine pour aider les femmes enceintes et pour aider à faire des accouchements en minimisant les risques. And so these 23 village midwives are making regular household visits and check up regular to pregnant mother and to make sure the delivery. So safe delivery is they are ensured in project targeted area. Ces 23 sages-femmes font des visites régulières dans les villages, vont voir les femmes qui sont enceintes, et depuis le début du projet, la sécurité, disons, dans les accouchements, s'est beaucoup, beaucoup améliorée. And we make awareness over primary healthcare and as well as the vaccination to children. And we through this project, we give some input support, like medicines, and doctor treatment. So the doctor go the village to village and arrange mobile health camp in rural area. So the health access is created through this project, but this is very few as per demand. Nous avons aussi une unité médicale mobile avec un docteur qui passe de village en village avec une campagne de vaccination pour les enfants. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations, mais néanmoins par rapport à la demande et au nombre de gens à soigner, c'est encore relativement insuffisant. In this area, especially, I will say that Rakhine minority people and poor Bengali people are created among them a good relationship, and they are already decision making in home. They have created and. With the different skills trainings, and we conducted the training poultry and livestock training. So through this training, they are now empowered. Like they're doing some development program projects. We make sure among them. Un des bénéfices de ce projet a été d'améliorer beaucoup la relation entre différentes communautés,
d'améliorer également la communication. Et puis on a fait beaucoup de formations, des formations dans le domaine de l'élevage pour apprendre aux gens à élever les animaux, pour leur permettre différentes activités, et puis également d'autres activités pour développer, la création d'une activité économique. And especially, I want to say that we call that cooperative credit union. So the people, so we members are sit together. They are now aware, and sometimes groups members are they keeping record like accounts and. Savings, they are keeping record by themselves. So skillness is created among them. Un des aspects importants aussi du programme est la création de coopératives de crédit qui sont des associations de villageois et où les villageois apprennent eux-mêmes à garder les registres de crédit, à savoir qui emprunte, comment emprunter, et qui permettent de monter un certain nombre de petites activités. So a collectiveness of creative collectiveness created among them, and especially I want to say that recently in our area, the local government we call that union parishads election is now going. So our one of women's members are now there as a candidate. So she is now candidate. So the power and voice rise is ensured in among them. But before they don't can speak, they don't speak, and in front of people they feel shy. But they now come in front of and they make error and they raise their voice and they can advocacy with the local government as well as. Un des aspects positifs de ces coopératives de crédit est que ça a donné beaucoup confiance aux femmes qui participent effectivement à ces coopératives. Elles ont pris confiance en elles, elles ont osé s'exprimer alors qu'avant les femmes au Bangladesh n'osaient pas toujours s'exprimer. Ainsi, il y en a une des membres des coopératives qui maintenant est candidate à un poste important sur le plan du gouvernement local. Et ça leur a permis, disons aussi, de faire du lobbying et de faire entendre leur voix auprès du gouvernement en général. However, the road is still long, so we need more work for them. We have to do, and the road is still long. I want to thank especially the Sipur Catholic Caritas France and the people of France for supporting, for implementing this type of project, for supporting us. I want to give my thanks and gratitude to all, and especially here I want to salute to the volunteers of France. They are really really great, so thank you very much. Merci beaucoup. Le projet va bien, mais la route est longue, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et je voudrais remercier à la fois le Secours catholique Caritas France qui participe au projet, qui nous a soutenus depuis plusieurs années, et remercier également l'ensemble des volontaires du Secours catholique qui a l'air de faire un travail très utile et qui nous permet d'avancer dans ce projet. Donc encore une fois, merci et puis à bientôt.